Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir générer du cashback par le biais de votre budget de publicité que vous allez acheter. Comment justement vous allez avoir du cashback disponible. Donc le process, c'est simple. Vous allez acheter du budget de publicité. Donc ça va rentrer dans la balance d'annonces. 48 heures après, donc le délai de modération, les fonds vont rentrer dans le budget de publicité pour lancer les campagnes publicitaires via le bot. Et 24 heures après, une fois que le bot est actif, 24 heures après, vous allez voir apparaître des ventes qu'il a générées. Et sur ces ventes, il y aura un taux de cashback donc imposé par l'agrégateur qui va reverser à Neuratechnologie un certain pourcentage. Et Neuratechnologie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous reverser 55% de ce taux de cashback et 45% sera restitué à Dora Technologies pour le fonds de protection en cas de risque, notamment en cas d'annulation du client. Donc ici, on va aller dans la partie sales. Donc c'est la partie vente. Et vous voyez ici, j'ai 7 ventes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour la journée. D'accord? Donc une fois que mon bot a été activé, 24 heures après, j'ai commencé à générer des ventes. En tout cas, le bot m'a fait générer des ventes par le biais de l'agrégateur, par exemple Shein. Il y a eu une vente de fait de 68,20 $. L'agrégateur, lui, il propose un cashback à 2%. Mon cashback, c'est ce que Neura Technologies me reverse. Et la réduction, c'est 0,61 centimes. Ça, c'est pour Neura Technologies et notamment pour le fonds de protection. Et ici, en statut, c'est en attente et ça expire dans tel jour. Alors, je m'explique. Une fois que vous avez un bot et une vente, l'agrégateur donc impose son taux de cashback 1%. Donc là, en l'occurrence, pour l'agrégateur Lenovo et la vente à 276,15 $ avec un taux à 1% de cashback, Neura Technologies me reverse 1,52 $. Le statut est en attente et ça expire dans 104 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que mon cashback à 1,52 $, il est en cours. La vente a été faite, il est en cours. Et ici, ce que vous voyez sur la carte, pending en cours, hein, en français, 9,26 $, c'est tout mon cashback cumulé sur les 7 ventes. Ils sont comptabilisés sur ma carte. Pourquoi en cours? Parce que chaque agrégateur a un délai de modération, donc spécifique à sa propre marque, hein. Pour Lenovo, c'est 104 jours. Autrement dit, pendant 104 jours, je devrais attendre de percevoir mes 1,52 $ dans mon cashback disponible. Tout simplement. D'accord? Pour Gestaro, 43 jours d'attente. Donc, j'ai perçu 1,45 $ qui sont rentrés dans la section pending. Et une fois que les 43 jours auront expiré, eh bien, ça va monter, mes 1,45 $ vont monter dans mon cashback disponible. Et à partir de là, je vais pouvoir retirer. Vous allez me dire au départ, waouh, qu'est-ce que c'est long! Après, il y a des agrégateurs où c'est en 20 jours, d'autres en 10 jours, d'autres en 7 jours. Ça, c'est différent selon les agrégateurs. D'accord? Mais rassurez-vous, au début, ça va être long. Ça, c'est une certitude. Mais au bout de 1 mois, 2 mois, vous allez avoir progressivement du cashback qui va monter. À partir du moment où vous allez réacheter du budget de publicité, c'est ce que je vous conseille, de réacheter du budget de publicité pour le faire grossir et pour avoir plus de ventes. Et comme cela, vous allez pouvoir, au bout d'un moment, percevoir donc le cashback en attente qui va remonter dans votre cashback disponible tous les jours. Donc au départ, ça peut être 5 $. Après, ça va monter à 10 $, des fois à 100 $, 1 000 $, peu importe. D'accord? Selon votre budget de publicité actif. D'accord? Donc voilà, voilà l'essentiel. Dès lors que vous avez du budget de publicité ici, eh bien, automatiquement, une fois que vous avez appuyé sur le bot en étant actif,
Il va travailler avec votre budget de publicité. En l'occurrence, là, j'ai 1238,19 $. En fait, j'avais en totalité 1250 $. Et vous voyez, il a déjà utilisé, dépensé, on va dire, 12 $. D'accord, 12 $. Il m'a rapporté déjà 9,26 $ de cashback. Et la journée n'est pas terminée. Vous voyez, il est 21h46. Donc voilà, il y a encore 2 heures. Et peut-être que je vais avoir encore d'autres ventes d'ici là. D'accord? Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris comment fonctionne la section vente, comment fonctionne le cashback grâce à votre budget de publicité. Allez, ciao, ciao.